Et bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gelden pour les jeux du cygne sur Total War Warhammer 3 avec Eternel Coucou. qui... Voilà, pendant que... Ah zut, désolé pour la caméra. Qui donc est en train d'assiéger Calédor. Calédor qui s'est rapproché, il a une armée en Non, défense en il n'est pas plus. rapproché, il était déjà là en fait avant. Il était déjà là, C'était d'accord. celle qui était en recrutement. D'accord. Et donc, Bon, on va la jouer, hein. on va la jouer et ben on la joue. Parce que de toute façon, le truc, c'est que si je reste là, je vais juste me manger plus d'attrition sur ma deuxième armée, donc. Bah, tu peux te mettre en. Bah, maintenant je pourrais, oui. Sinon, j'ai autant la jouer. Ah, On peut oui, aussi donc. jouer de temps en temps. De C'est temps une en temps. bataille de ville. Et du coup, il aura des renforts. J'imagine. Oui, parce que du coup, ceux-là, ils sont pas dans la ville, ils sont à C'est l'extérieur. ça. Donc, c'est quoi comme ville? Oh. Allez, allons bouffer la forteresse de Vorag. Il te met toujours en défaut de valeur. Hein. Il a quoi? Lion blanc? Lancier, archer, Bah, c'est de la oui. garnison, donc Même pas. Putain. non, y a. C'est n'importe quoi. Ah oui, c'est ton armée qui s'était fait un peu. Ah non, ça c'est Non, l'attrition. ça c'est l'armée de renfort, non, mais on a ma première armée, elle est full. Pardon, bizarre. Putain, il te met en défaite valeureuse là-dessus. On croirait des Skaven. C'est ouais, c'est un peu. Ah, en même temps, là c'est quand même des hauts elfes, hein, donc. Bon, quoi, vas-y, non mais tout de suite, les troupes que j'affronte moi, elles sont moins fortes, tout ça, non mais putain, le Non, mec. mais je pense en termes de résolution auto, les hauts elfes, je pense que ça se cale haut, à mon avis. Et genre à peu près. Enfin, je sais pas trop s'ils ont modifié pour la Bretonie ou pas. C'est une époque où la Bretonie s'était complètement pété en réseau auto. Ben, il faut bien qu'ils leur laissent un peu ça parce que ça vaut Ah, quand même plus grand-chose ce qui maintenant la est. Bretonie. Ce qui est bon, c'est que ces armées de renfort, tu vas pouvoir les choper. Ouais, limite, en fait, tu t'occupes pas de la ville Oui, j'attends ces renforts. tant que les renforts sont pas arrivés. Ah, peut-être falloir quand même que je pète ces tours. Ouais, oui, tu peux faire ça, mais. Sachant que non, j'ai pas de volant de toute façon. Il faut voir, de toute façon, je crois que sur SFO, ils Oui, c'est modifient ils peuvent pas les... construire pendant, oui. Non, et puis surtout, ils modifient la portée des tours. Ah, tu veux Oui, dire mais. les tours constructibles, toi, tu parlais. Oui. Non, mais tout. Enfin, c'est pas les tours constructifs qui nous font plus de dégâts, c'est les tours sur les murs. Oui, non, c'est ça. Mais je crois que les tours sur les murs, elles ont des portées qui sont un peu différentes. Donc si tu peux te mettre loin, il peut. Genre peut-être moins longue mais plus large, je crois, quelque C'est chose comme ça. ça. Je crois qu'elles ont plus d'angle mort, mais le problème c'est qu'on peut pas les voir. Donc. Mais potentiellement, Il si. arrive 2 minutes 47, moi j'arrive à 54 secondes, donc. Ouais. Mais limite, à mon avis, sachant que le terrain est très profond, tu te mets tout en haut, t'attends ses renforts, tu défonces les renforts. Ouais, du coup, je ferais quand même bien quelque chose de mes tours de siège, mais. Bah ensuite tu peux mettre Ah oui, tes tours de siège. Je pense que limite je vais envoyer mes 4 tours de siège de l'autre côté histoire de dispatcher un peu ses forces avec juste du zombie dedans, histoire de Ouais. l'occuper un peu et si je peux prendre des murs Ouais. et aller prendre un ou deux points. Comment est-ce qu'on fait pour lâcher? C'est ça. Bah tu me donnes à gérer le sud et puis Voire limite, au contraire, je te fais peut-être plutôt les ghouls des cryptes, ils sont peut-être plus efficaces sur les murs. Peut-être. Oui, c'est pas difficile d'être plus efficace que des zombies, mais. Oui, voilà, mais c'est. Faut juste pas qu'elle tombe sur du lion blanc, quoi, mais. Ah bah ça, elle risque d'en avoir. Hein. Il y a trois unités, donc. Oui, mais savoir de quel côté est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils seront de mon côté, là où il y aura le maximum de troupes, ou est-ce qu'ils seront du côté des tours? Je sais pas. On verra bien. Bah, je vais te filer deux ghouls et deux zombies. Ok. Ça, je récupère. Ah, le déploiement d'avant-garde, ça marche pas avec les tours, c'est dommage. Ça, c'est bizarre. Histoire de gagner un bras. Juste comme ça, pour voir, sur un malentendu. Donc on va se mettre tout en haut en espérant être hors de portée. Les catapultes, je pense qu'elles vont commencer à tirer direct. Elles vont pilonner. Je te mets tout
tout bout. Les tours qui sont penchées. Et les tours de Pise. C'est rigolo. T'as deux tours qui sont limite l'une sur le. Ils tombent l'une sur l'autre. T'es où? Ah. Oui. Ah, en même temps, c'est du squelette, hein. C'est fait avec des ossements, on va trop en demander. Donc ensuite. Je veux pas que je mette comme ça. Je vais mettre une tour en face de la porte là. Là. On va faire une belle ligne de zombies là. J'espère que je serai pas à portée. Ok, c'est bon pour moi. J'ai placé mes quatre tours. C'était compliqué. Normalement, tout Ouais, est placé. là t'es tranquille. Normalement, ça devrait aller. J'espère. Je suis pas caché. Ah oui, mais oui, parce qu'il faut qu'il te voie quand même, hein. Parce que sinon il va tout mettre de mon côté et là ça va être compliqué. Oui, c'est pas faux. Maintenant, en même temps, là, typiquement, il y a Mortis Engine, Corpse et tout ça, il les voit. Ouais. Mes catapultes, il les voit. Je vais sortir mon Lord Squelette, mon Nécromant. On va voir ce que ça donne. Ouais, sinon j'attaque pas. Hein. Il y a trop de monde. Il y a un peu de monde? Il y a beaucoup D'accord. trop de monde de mon côté. Il y a Lancier, Lion Blanc et Lion Blanc. J'ai les trois Lions Blancs, j'ai deux Lanciers, un Archer, j'ai son Lord. Je Bah au vais. pire, t'envoies juste les deux tours avec zombies et tu fais descendre les ghouls. Ouais. Juste histoire de les occuper un peu. Je sais même pas si ça sert à quoi que ce soit. Je sais pas, sinon tu les fais dégager. Alors du coup ça donne quoi les tours? Je suis limite hein. Alors effectivement elles ont une portée moins grande. Faut juste que j'avance un tout petit peu mes ghouls des cryptes, mes horreurs des cryptes parce qu'elles sont dedans sinon. Et par contre mes catapultes je les ai mis un poil trop loin. Moi, je vais faire reculer tout le monde. Allez. Attends. Bah c'est bon. Ok, Allez. bah, go. Allez, barrez-vous. C'est marrant. Il n'y a qu'une seule tour qui peut tirer. Bon, On va accélérer un ouais, peu. passons fois 4, hein, parce que. Oui, c'est fait. Ça a une portée de 350. Oui, non, mais je vois. J'ai une portée normalement un tout petit peu plus grande que lui. Parce 400, que là, ouais. je suis quasiment à portée, lui T'as pas. 400, il a 350. C'est ça. T'as le Strigoï qui est parti bien en tête. Oh, des zombies, ça faisait longtemps. J'aime bien, il y a un lancier squelette dans le loup. Tu te demandes ce qu'il fout là. Je fais quoi? J'avance Oui, bah essaye, hein. Et l'avantage c'est qu'il a effectivement quand même vraiment pas grand monde, donc et que c'est que du squelette. Donc moi ses renforts arrivent dans 40 secondes. Non, c'est pas la prise de la porte. Je veux pas que t'attaques la porte. T'essaies de monter. Il est quoi? Il est à pied le nécro, ouais.
En plus, il a même pas pris de tour, quoi. Ouais. Allez, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il fait du coup? Il fait demi-tour. Oui, du coup, il a laissé nettement moins de monde. Quoique, non, non, il a laissé encore plein de monde. J'ai encore un lancier, un lion blanc et son lord. Oui, ce qui va faire un peu trop pour juste des... Juste Des pour ghouls décryptés quelques zombies. voilà, deux ghouls, si je veux éviter de te perdre tes ghouls. Donc ça, si je peux les garder, j'aime autant. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait un buveur d'esprit. Et ça c'est quoi? Attaque plus 5. Plus 45. Et... Toi, t'as rien d'intéressant. Ouais, ça va, elle se démerde bien tes catapultes. Hein. Enfin, mes catapultes. Parce que bon. Elles font ce qu'il y a à faire. Il y en a un. Bon, c'est pas palpitant, mais... Ah, il a des aigles! Bah oui. Il avait des aigles, j'ai pas... Faut pas qu'il est sur mes catapultes. Ah. Il est sur mes catapultes. Ah non, je sais pas. Non, il a l'air de se diriger vers la ville. Ok. Tu peux peut-être éventuellement envoyer le Strigoi. Ok. Pour protéger les catapultes des fois qu'il a envie. Ok. Il en a combien? Il en a un? Il en a un. Ok. C'est parti. Alors, attends, moi c'est un peu le bordel. Ah, pardon. J'ai mis clic. C'est bon. J'ai pas fait gaffe, t'avais fait quoi? Je t'ai repris le Strigoi sans faire exprès. Ah. Bon, les nagles. Non, ils ont l'air d'aller vers la ville. Je pense, hein, mais bon. Ouais. Clairement, il va vers la ville. Son lord va s'enfuir. Son lord s'est enfui. Bon, il lâche les murs. J'en vois. Bon, ouais. Il a lâché les murs au sud? Il est en train de. D'accord. Bon, ces aigles sont... Il a des tours construites, j'arrive pas à voir. Il a une. Ah, il a pris la porte là. Il a deux tours de construite. Il a recommencé à prendre la porte. Hop. Tes catapultes, j'ai pas l'impression qu'elles fassent grand chose. Oui, non, mais c'est parce que je viens de leur demander de s'avancer là. Parce qu'elles servaient plus à rien. Oh putain, que c'est long de monter les échelles. Eh oui. Oh là là! Oh, il y a une belle animation bien pourrie sur le Strigoi. Oh, c'est magique. Il peut monter lui? C'est pas un monstre, c'est pas un monstre? Non, c'est pas un monstre. Oh, c'est magique. Oh là là, cette animation pourrave. Ils auraient limite pu le faire grimper lui plutôt que de le faire prendre une échelle. C'est ça. Bon, c'est quasiment plié pour ses renforts. Il prend cher quand même. Il prend cher, allez, allez. Le Strisri? Ouais, le Strigoi il prend un peu cher.
Bah, il faut qu'il arrive au CAC pour se régénérer. Hein. Et il a la faim, donc. Ouais, mais il prend un peu cher. En même temps, tu lui mets contre des lanciers. Ah, j'aimerais bien que t'évites de me le casser, lui, par contre. Allez, c'est bon, les renforts, y'en a plus. Ah, t'as pas pris la porte? Ah merde, non. C'est en train. Ça va venir. Je parlais de celle de gauche, mais. Oui, non, mais ça va oui, venir. Ok. Bon, regarde, le Strigoi, en fait, il régène une fois qu'il est en mêlée. Hein, donc... Oui, mais je veux aussi lancer une petite. Ouais, petite régène. Une petite invoque de Nek, histoire de. Ça doit pas faire de mal. Et au sud, du coup, t'as pu prendre pied. Non, il est toujours là. Oui, c'est bon, t'as plus que des Spearmen et son Lord, oui. Ah, ils ont pris un peu les boules des cryptes quand même. Tu peux pas faire descendre éventuellement un groupe de zombies pour s'occuper des archers? En fait, j'ai un peu beaucoup de choses à gérer. Pardon, bah alors, donne-les-moi au pire. Moi, pour l'instant, j'ai rien à faire, donc je vais les reprendre. Hop, attends, ils sont où? C'est ceux-là. Hop. Oh non, putain, merde, pourquoi est-ce que le nécro, oh merde. J'avais pas fait gaffe. T'es en train de me casser mon nécro aussi? J'avais pas du tout vu, en fait, il l'a chargé. C'est pas bon du tout. Il a chargé quoi? Il l'a attaqué. Ah oui, il a chargé dans la porte, lui. Ah mais il était peut-être hors de portée pour lancer son sort, il a... J'ai... Ouais. C'est peut-être bien ça. Merde. Ah ouais, bien. Et le Strigoi... Pas casser les jouets, on a dit. Et le Strigoi, il est pas bien non plus. Hein. Merde. Ah oui, ouais. Moral, il aime pas, là. Ouais. Bah, il est un peu entouré, quoi. Il faut envoyer sur les arches. Ah oui, puis avec les lions blancs. Sur la gueule, qui sont sur la gueule, ouais, c'est ça. Pas bien. Bah le problème c'est qu'il va trop vite en fait par rapport aux autres. Vas-y, tu peux enlever la pause. Hein. Ah, je mets mes catapultes sur ces deux groupes d'archers là. Qui sont juste derrière. Et oui. Il m'aime pas bien du tout là mon lord. Autant le nécromant c'est pas très grave, le lord ça me ferait déjà un peu plus yesh parce que. Bah il prend super cher quoi. Niveau 8, oui bah il va crever là. À moins que t'arrives à le dégager. Ouais, ce que je vais essayer de faire. Allez, casse-toi. Va sur les archers, tiens. C'est bon, il a récup. Par contre, le nécro est mort. Ah non. Oui, mais le nécro. Allez, lance ton sort. Pourquoi je peux pas lancer de sort? Elle était entourée de plein de copains oui. Maintenant. Ah la merde. Bon, le nécro. Oui, mais le nécro, c'est pas très grave. Il était niveau 1, enfin, 2 ou 3, lui, c'est pas. Ça m'emmerde moins que le Lord. J'ai me dépêché d'envoyer mes mortis et tout ça. Près de mon Strigoi pour essayer de le faire. Régène. Je le soigne. Je le soigne, puis là, il est sur les archers, donc il devrait prendre moins cher. Ouais. Bon, et au sud, ça donne quoi? Attends. Au sud, ouais, j'ai une unité de ghoul des cryptes qui est en train de se faire défoncer. Mais bon, tant pis. Ouais, je vais pas très bien gérer. Si c'est qu'une unité de ghoul des cryptes, c'est pas très très grave. Allez, on relance. Putain, mais comment ça se fait que les archers ils aillent plus vite que mon Strigoi quoi? Bah, s'il est pas très en forme, le Strigoi ça peut jouer, hein, je sais pas. Moi. Non, il a quoi? Il a 68 de vitesse. 84 même. La porte est ouverte, pourquoi est-ce que vous passez par les murs? Vous êtes sérieux là? Ouais. J'ai
une unité de ghouls décrypte qui va mourir. Tant pis. Ils ont pas aimé son lord. Aussi bon, tant, bon, là, je pense que les catapultes elles vont plus servir à grand chose. Les unités qui sont stack. Qui arrivent pas à monter, quoi. Quasiment full life le streak. Oui bah, bah il a les Mortis Engine et tout à côté, ça devrait aider un peu quand ça même. Ça joue. Oh putain, c'est tellement mal géré. C'est pas possible. Les portes sont à nous, ouais, GG. Non, c'est pas celle-là. Ah c'est celle du sud. C'est celle du sud. Les lions blancs, ça fait mal. Putain. Bah, trop d'unités, il arrive absolument pas à gérer la prise des murs, quoi. C'est n'importe quoi. Oui, je vois ça. Les unités qui sont toutes complètement immobilisées. En même temps, arriver à faire grimper des échelles des zombies. Et à partir du principe qu'il y a quand même, il y a quand même vraiment un challenge à la base. Bon, je vais envoyer le Strigoi sur les aigles. Non, mais il est en train, c'est en train de lâcher là. C'est en train de lâcher. Au moral. On est quasiment. Il lui reste plus que ses troupes au sud. Et à mon avis, ça va pas tenir longtemps. C'est bon, c'est en train de lâcher aussi. J'aurais perdu deux ghouls d'écrit. Ouais, et un écrou. Presque plus emmerdé pour les deux ghouls d'écrit. Bah, ça dépend où tu dois le recruter. Ah, oui, c'est non. Et en plus, elles peuvent être très gênes. Ouais, ça dépend. Je sais peut-être même pas perdu. Ça dépend où tu peux. Comment? Où tu peux en recruter un nouveau de nécro. Un peu loin là, du coup. Mais bon. Qui c'est qui monsieur? On nécroman. Ah, donc. Le nécroman a survécu, mais pas les ghouls d'écrit. C'est ça. Hop, et tu perds deux zombies, ouais. Ça va. Bon. Ça, je m'en fous un peu. Et surtout, je lui ai pété sa... Ah non, ah, il a survécu son armée. Je sais pas trop ce qu'il reste dedans, mais... Quand je peux que je recevoir des pestes, il n'y a plus Nurgle. Bah, ça doit être des trucs qui restent. Non, c'est une Skaven. Ah oui, ça peut... Ah ouf. Et puis, elle pique, les pestes Skaven. J'avais un peu oublié. Contrat Mulder reçu. Très bien. Mulder. Est-ce que je relance direct? Pourquoi est-ce que... Contrat niveau 2. Ah. C'est Nardinus qui va s'y coller. Est-ce que... Oui, j'ai pas vraiment besoin. Il va falloir que j'essaye de... De voir où se trouve son de d'arche. Je vais voir où est-ce qu'elle a disparu. Alors ici, notre champion qui vient de défoncer, qui vient de défoncer Zhao Ming, chef des meutes, guerrier des clans. Il n'y a même pas de ligne d'augmentation pour les esclaves.
dans les lignes rouges. Bah non, c'est des esclaves. Ouais, sur un malentendu, ça aurait pu. En même temps, je sais même pas si c'est possible d'amener un esclave à partir du niveau jusqu'au niveau 7, hein, Non, pour mais avoir des traits d'élite. même pour les trucs de base. Oui, je sais bien. Et c'est même pas considéré comme infanterie de base, c'est Non, guerrier des non. clans uniquement. C'est guerrier des D'accord. clans, Ok. Les pros. Bah, ouais. en tout cas, ils sont peut-être dit que comme ça servait quand même vraiment pas à grand chose. Qu'est-ce que je vais. Comment je vais l'augmenter? J'ai pas la moindre idée de comment je vais l'augmenter. C'est quoi ça? C'est un souffle. Bon, je vais prendre des sorts. Ce sera toujours utile, ça. Alors. Toi, t'es quoi? Pourquoi est-ce que je le vois pas, lui? Ah, c'est peut-être qu'il est. Il doit être en event ou. D'accord. Ouais, c'est un peu bizarre. Bon, on va aller le chasser quand même, Zaoming, hein, avec notre belle armée. Qu'est-ce qu'il a? Oh putain. Ouais, j'espère que ce sera suffisant. Je suis même pas sûr. S'il n'y a pas d'esclaves quand même, là ça allait parce que tu les as noyés sous le nombre des catapultes. Avec deux catapultes, si tu attaques avec Ah juste si une seule armée, si. t'as peut-être attrapé Attends, c'est quelque bon, chose, mais. je peux l'amener. Je peux amener lui en renfort. Bon, niveau 12. C'est bon, je vais le choper en sandwich. Pim. Victoire décisive. Allez. Pif paf pouf. On aime Alors régler. tu commences à te mettre à faire de la victoire auto contre Ouais bah catapulte. attends, contre une armée que j'avais déjà défoncée quand même. Ah, plus 10% de mouvement de campagne et plus 15% de vitesse à l'armée du Lord. C'est bon ça. Sympathique. Alors, attends, là, tu vas pas pouvoir bouger parce que je suis en transfert de troupes. Ça, c'est des cours d'égout sans fronde. Hop. Donc, c'est remplacer cela. Ok. Peut-être. Non, j'ai déjà deux catapultes de la peste, ça ira bien. Là, il faudrait plus de frontline quand même. C'est comme un pledge. Oh là, 10 000 PO! Mais comment se fait-ce? Ouais, pareil, je suis à 7000. Alors, forteresse de Vorag. Truc intéressant à recruter. Alors, Snitch. Bon, je vais aller finir son armée, je pense. Bon, on fait chier. Je sais pas où est son. Je sais pas où a disparu ça. Close défaite, t'es sérieux là? Oh putain. T'as tes deux armées? Non, non, j'en ai qu'une seule. Ben non, l'autre, elle a pris la ville, donc. Ah. Eh De toute façon, ben. ce qu'il y a là, il y a quoi? Il a deux tireurs, un aigle et un lord quasiment mort, donc. Alors, chasser. C'est assez ridicule. Mais bon, Toi, t'as il quand faut même. faire. T'as que du zombie, quoi. Oui, mais je pense que rien que mon Strigoï, il doit être capable de défoncer la plus grosse de l'armée. Il n'y a pas de lion blanc là. Ouais, enfin, quand même. Quand Il n'y a même. pas de lion blanc, il n'y a que deux archers, c'est ça qui lui a fait mal tout à l'heure. C'est qu'il s'est fait. Quand il est descendu en bas, il était déjà mid-life. Hein. Hein. Donc, essayer de faire attention à mon nécroman par contre. Il a survécu une fois. Pas bien, pas bien, pas Je bien. vais tous les niquer. Ils m'auront Même pas pas, mal. ils m'auront pas, Dorian. C'était pas ma guerre. C'est même pas mal. Ils sont sympas ces terrains. Ah oui, c'est tellement joyeux. Oui, il n'a pas beaucoup de vie en effet. Il va pouvoir s'envoyer des trucs de Néac. Bon, vas-y, joue là, Ouais. je vais faire du cinématique.
Cinématique avec du zombie. Ouais, bah, y a quand même pas grand chose à faire donc. Je vais planquer. Ouais, tu le planques Bah, dans. il a une régène passive normalement, mais. Tu le planques dans un bois et puis tu l'oublies. Je vais laisser Tu mes me le squelettes, passes mais. pour éviter que. Et je te laisse avec les Spearmen éventuellement. Ok, parce que tu veux pas perdre. Non, non, pas que je peux pas perdre, mais comme c'est de l'anti-large, Ah si oui. Bon éventuellement ils ben. pourront. Mais pourquoi tu le mets pas dans le bois? Tu le mets dans le bois derrière? Ah oui, au fond, oui. Oui, Hop, effectivement, pour qu'il soit voilà. carrément pas vu, c'est plus simple. Et je vais récupérer les Oui, non, je squelettes. voulais le mettre dans le bois devant, mais j'ai pas vu qu'il y avait un bois derrière. Je te rends Non, les non, non, non. squelettes. Bon, du coup, vas-y. Hop. Allez. Les jolis petits aigles. En arrêt sur image. En rouge et vert. Les unités sont en. De lanciers ont des boucliers rouges et verts. Bah c'est les lotern, c'est les gardes lotern, non? Non, non, c'est des D'accord. soldats de base, des lanciers de base, mais. Allez, c'est reparti. Ils font World War demi-tour. Z. Et ils font demi-tour. Ça, c'est étonnant. Là, c'est les Ah gardes. Ah, non! tiens. Ils vont tuer une unité de zombies! Tu t'es fait tirer dessus. Tu peux la Je suis pas soigner. sûr. Bon, je veux pas claquer une régène sur une unité de zombies. Hein. Oui, il régène 5 PV toutes les secondes ou un truc comme ça. Oui, là, il a 0,15% de régène en zone. Attention, ton seigneur se fait attaquer. J'ai vu, j'ai vu. Yeah. Vous avez déjà joué à Projet Zomboïde? C'est ça. Et c'est le bordel. La charge du zombie. Ah, il avait des. Il avait une unité de cavalerie, Des oui. cavaleries. Y a ces aigles qui picorent mes zombies. Il Ne sauve vous les devriez zombies. pas, ça va vous rendre malade. C'est pas propre comme nourriture. Boum, la charge des guerriers squelettes. Ah, la cavalerie fuit. Ouais, je vais peut-être avoir du mal à la rattraper. Ah, Peut-être. là, il y en a un que t'as chopé au passage. Ouais, quand même. Non, non, ça va. Ça va, ils font des allers-retours, ils sont. Ah, ils sont un peu englués quand même. C'est donc Ouais. s'ils arrivent à sortir, je les rattraperai pas. Sinon, ça devrait aller. Et le Il y a Strigoi. forcément un ou deux modèles qui vont s'enfuir. Ouais, c'est déjà la déroute totale. Oum. Ça va pas tarder à être en déroute totale. Ah! Il y a 7 modèles qui ont survécu. Oui, mais comme il était déjà Oui, non, en non, fuite, normalement il était déjà en fuite, donc là c'est ça. C'est la disparition il y a pas besoin de définitive. poursuivre. Hein. Bon, allez, on va accélérer un peu, de toute façon, ça sert pas à grand-chose là. Ouais, le Strigoi, il est pas hyper efficace là. Bah, c'est quand même essentiellement du lancier, quoi. Ouais. Donc, Bon, il en tue un par coup, quoi, mais. C'est la défaite. La fuite. Ah non, il est Il encore. reste les aigles. Ah, il a une Il veut unité pas. d'ancien encore. Et t'as perdu une unité de zombie, donc. Ah oh, non. Ah ouais, les aigles, putain, ils sont même pas en déroute. Ah, le Oui, Strigoi, mais il. je suis anti-large avec le Strigoi. Là, ça va peut-être pas le faire. Boum, ah oui, surtout avec. Ça, ils vont pas aimer. Le buveur d'esprit. Ça y est, c'est la fuite. Non, pas encore. Hein. Ici, ils sont en fuite, les Ah, et aigles. ses lanciers sont toujours là. Ouais. Et c'est Lothairn qui ont récupéré. Oh putain. Il veut pas. Hein. Allez, tu es en train de perdre une autre hein, unité de zombies. Il survivrait aussi. Bon, quand tu veux, tu te décides à lâcher, toi. Hein. Non, c'est l'ancien. Mais non, et ses aigles viennent de Oh putain. récup. Il a encore des lanciers qui ont récupéré. Ouais. Ça y est, Voilà, ça y ça est. y est, putain. C'est la fin. Au revoir, les petits aigles. Oh, histoire de dire. Hein.
Ouais, il lui reste encore 3 villes, hein, ceci étant, mais... Ouais. Bon, je mets en pause. Voilà, on se retrouve. Ouais, sauf que Eternel n'a pas fini de charger. Putain, Ah toi t'as du mal pendant, moi j'ai du mal après. c'est ça. T'as du mal à charger la carte de campagne, en fait. C'est ça. Et moi, les cartes de bataille. Ah oui, là, tu as même beaucoup de mal, en fait. Peut-être que je réduise les... Ça y est. Bref, pas de raison de réduire. Mais Ouais, non, c'est bah, bon, je les ai pas t'as perdus. pas perdu tes zombies. J'en ai perdu aucun. GG. Ouais, mais je vais quand même prendre les 1200 pu... les 1200 thunes. Et voilà. Bien. Bon. Alors, ouf, ça lag. Pfiouh, Et putain. ouais, il en a encore 3 normalement. Alors, toi, bah, tu vas continuer d'essayer de faire de la merde. Ah, action assassinée plus 10% de chance, ça c'est cool. Héros non déplacé. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de chercher. Est-ce que vraiment il n'a pas disparu quoi? Non, non. Je sais pas du tout. Bah le truc c'est que si ça nous l'a pas dit, il est encore présent hein, dans la Ouais, liste. je le vois encore. Je le vois encore dans la liste. J'arrive pas à savoir. Oui, en fait, il a rien, il a pas de settlement, il a un rang de force 0. Enfin, il est dernier en rang de force. C'est Mais tellement n'importe quoi. bah, en même temps, de toute façon, il ne peut normalement rien faire. Je pense pas qu'il puisse recruter à partir de. Alors, à moins qu'il ait une deuxième arche, mais ça m'étonnerait un peu. Les eaux sont contrôlées. Je ne sais pas. Putain, les garnisons niveau 2, c'est 4000 PO, quoi. Bon, Snitch, je vais aller lui faire chasser autre chose. Hein. Allez. Pourquoi ça bug? Putain, j'arrive pas à le déplacer. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'était bon ou pas là? Ah, mais c'était en... J'étais en menu de construction, pourtant il n'y a rien d'exceptionnel, mais J'ai ça l'impression que pouvait peut-être être ça qui gênait. non, je pense que en fait j'ai son je dois avoir son armée quelque part, mais en fait elle y est mais je la vois pas. À mon avis, je crains que ce soit ça le problème. D'accord. Il y a quelques bugs qui ont été référencés comme ça, de villes qui étaient inattaquables parce qu'elles pouvaient pas être sélectionnées. À mon avis, là le problème il est là. C'est pas, encore une fois, c'est pas très grave. Non, Ça c'est juste va pas. pénible. C'est Bah. chiant, mais ça va pas t'empêcher de continuer à jouer. Non, c'est vrai. Alors là, il est. Ouh, là par contre, il est rang 3 ici. Ah mais d'accord, ces deux autres villes, elles sont niveau 3. Ah oui, d'accord, toutes ces villes sont niveau 3. Donc ça va donner des garnisons. Ah oui, et là c'est niveau 3 avec garnison. Ouais, t'as piqué. Ouais, j'ai pas encore fini. Hein. Il va falloir que je les passe ces villes quand même. Tiens. Clan Carion, je connaissais pas celui-là. Non, Malphos, je vais clairement pas. Un clan Skaven. Non, je m'en fous par contre. Mission, des fois que. C'est eux qui tiennent Nagajizar. Amiral. Ah bah voilà. Avec les missions, je peux le voir. Je peux voir où il est. Oui. Mais c'est ça. En fait, je le vois, mais je le vois pas. D'accord. C'est trop trop pourri. Lui il est là et la caravane elle est beaucoup trop loin.
Et là, j'ai une armée que je peux pas attendre. Bon, c'est un peu pénible. Bon, je vais construire mon dernier bâtiment là. Tac. Histoire de pouvoir avoir des vermines des clans un peu partout. Les sous, je les garde. Ah, je peux faire un rituel. Celui qui Je me peux donne. le lancer, mais même Celui qui me rituel, il donne coûte des pendant baisers un de sang à tour. chaque fois, donc Diplo. Est-ce que je peux. ça pique. Est-ce que je peux Ça pique améliorer un peu quand même. plus? Les orques des sombres terres, tu vas en faire quoi? Lesquels, ceux qui sont juste au-dessus de moi là? Ouais. À mon avis, c'est eux qui vont faire dans pas très longtemps, mais D'accord. il y a des chances que ce soit les prochains qui m'agacent, je pense. Magret. Je le vois venir gros comme une maison parce que c'est en détérioration. Ben en fait, depuis que j'ai signé avec le clan Rictus, ils aiment pas du tout. Ouais. Donc là, je suis à moins 67, ça se dirige vers moins 87. Moi, il me propose un PNA. Bah, de toute façon, je t'appellerai pas, ça servira à rien. Oui, t'as pas d'autre allié. D'autres alliés, non. Allez. J'aimerais pouvoir me finir Calédor Donne des sous. avant qu'il ne me tombe dessus, Et fin de tour. mais je suis pas certain qu'il me laisse cette opportunité. Je vais me demander s'il va pas falloir que je me recrute une troisième armée. Je termine un tour avec des sous, quoi. J'ai construit deux bâtiments, trois bâtiments à 2000. Ouhou. Quelle opulence! Ah ouais, moi j'ai construit deux garnisons à 4000, ça pique un peu. Hein. En prévision justement de d'une potentielle arrivée des orques prochainement. Potentiel et prochainement. Eh ben. C'est ça. Ah, je me dis que je préférerais que ce soit les orques en fait. Qui quoi, En invasion. qui te. Ah! Non, non, en invasion. Que affronter des nains, c'est un tel cauchemar. Ouais, Moi, surtout en mort-vivant. les orques, c'est quand même beaucoup de mêlée, quoi. En mort-vivant, c'est pas. Non, c'est un cauchemar. D'autant que quand ils vont C'est pop, pas le plus simple. ils vont avoir des armées tier 3 et autres. C'est ça. Les nomades du vent brûlant me déclarent la guerre. Est-ce que je Non, t'appelle? pas obligé parce que je suis quand même pas très... je sais même pas si j'ai pas un truc avec eux donc Ok. je sais pas si j'ai pas en commerce avec eux ou quelque chose ça, donc je préférerais éviter. Comme ça ne servira à rien de toute façon tu m'appelles. Non, bah c'est éventuellement les morts-vivants, Oui, mais à la limite, non, mais c'est c'est pas pour grave. équilibrer le rapport de force. Non. Non, je m'en fous, ça. Sont 66 Ça y factions. est, un happy populace. Bah oui, petit moins 5 de contrôle. Le Whisper in the Dark partie Ah 2 mais. que t'avais déjà eu. Ah! Cité souterraine établie, cool. Ça se propage. Alors là, je me tape un moins 5 de contrôle partout. Ça pique ça. Ça se propage. Ah oui, c'est ça qui donne des sous aussi, c'est vrai. Uf. Ce carnage quoi. Ah, je suis encore en instabilité provinciale aussi. Bah, je vais arrêter de collecter déjà. Sinon ça va exploser. Putain, ça pique. Même dans ma province de base, quoi. Tout est à 20 sur 20. Mais j'avais dit que là, il me fallait quand même un petit truc qui soit un petit peu solide devant. Mais c'est dramatique, l'ordre public, bordel. Oui, je te confirme. C'est
Événement moins 7. Pourquoi est-ce que j'ai un événement qui me fait moins 7 de... Bah c'est le même que je viens de prendre moi. C'est le Whisper in the Dark, la deuxième partie. Populace mécontente, ouais, c'est ça. Moins... C'est Mais non, ça, ça fait bah moins pipo. 5. Ça fait moins 5, pas moins 7. Bah t'as peut-être un autre event qui fait moins 7, qui fait moins 2, je sais pas. Mais moi effectivement là j'ai. Bah moi je sais pas, moi il met en event il met moins 6, alors qu'effectivement le Unhappy Populace c'est moins 5. Mais de fait ouais là ça commence à être vraiment tendu niveau ordre public. Pourquoi avec... Même avec les ordres de contrôle. Et même avec la corruption vampirique au maximum. C'est dire. Coût de recrutement, moins 100% pour les rogues et abomination de Malphaus. Intéressant. Ah bah oui, si tu y avais accès. Mais oui, pour ça, il faudrait que je Voilà. construise le bâtiment qui va bien. Mais c'est bon à savoir quand même. Et ça dure. Et c'est permanent? C'est permanent. C'est avec les contrats qu'il faudrait que je puisse Est-ce que développer. t'as déjà atteint le niveau de réputation suffisant avec Mulder? Ouais. Ah oui, Je putain, suis niveau... Niveau 1 avec Pestilence et niveau 2 avec Mulder. Non, en D'accord. fait, niveau 2 avec les deux, pardon. Attends, il me compte. Ouh, le Ouais. 701 de pillage là, chez les elfes. Ah ouais, j'ai recours de recrutement moins 100% pour les moines Ah, mais de la c'est là, peste. Nagavizar! Mais oui, je t'avais dit que c'était à Oh! côté. Ah oui, non, mais je pensais que c'était plus bas, moi. Non, 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 non. Alors, par contre, il y a un clan Skaven qui l'occupe que je ne connaissais pas. Oui, c'est un... Si, si. Le clan Carrion. Alors, 20 000 de choc, mortier. Ouais. Bon, allez. Hop. On va continuer à péter de l'elfe. Bon, qu'est-ce que je vais faire avec cette armée? Victoire à la Pyrrhus, t'es sérieux là? C'est tellement bien équilibré. J'y perds quoi? Bon, en même temps, j'y perds 6 zombies. Allez, c'est à peu près comme mes esclaves, hein. Je veux pas dire, mais C'est un peu ça, oui. Donc, sachant que moi, mes esclaves, quand ils sont perdus. Toi, en plus, ils peuvent revenir à la fin vu le coup de aussi. recrutement, ouais, voilà, j'en ai perdu que 5 du coup. Donc, C'est ça. allez. Et toi, à mon avis, tu auras terminé ta victoire Ma victoire courte courte? bien avant Oui, moi. avant toi, ça c'est possible. Mais en même temps, il vaut mieux parce que, comme c'est sans doute moi qui vais bouffer l'invasion, C'est ça. il vaut mieux que je sois prêt à ce moment-là. Donc toi, je vais te mettre là-dedans. Hop. Toi, tu vas te mettre devant. Allez, échanger. Tu vas faire. Tac, tac. Hop. Les zombies d'élite ont 20 000 points de vie. Ouh. Good. Begin the summoning. Run. Fools, fools. Alors, donne tes esclaves. Hop. Donne également t'entier. Hop. 4. Je vais y arriver. Je peux le faire. Ah, je peux presque faire un PNA avec des nains. Sérieux? Bah, je suis à moins 1. Bah, faut dire qu'ils sont pas très très en forme. Ils sont 160 de rang de force. Ah. Avec un settlement, ça doit jouer un peu. Sachant qu'il y a 166. C'est ça. 1, 2, 3, 4. Encore deux places. Et ben pas de diplôme. Bon, j'ai des échanges un peu chiants moi, entre deux armées. Moi j'ai fini. Bon, j'ai fini. Hop. Et du coup. Ah, il faut que j'aille chercher la désolation de Nagash. Et la désolation de Nagash, c'est au clan Morse. Chier. Ah merde.
cette étoile. Il est pas cool. Il est pas cool, non. Donc, on a dit qu'il nous fallait de la première ligne. Ouh, il faudra que je lui fasse un échange, au pire. Ouais. En temps, non. Moi, il me demande juste de contrôler Nagavizar, pas forcément la province, donc... C'est compliqué à prendre. Hein. Niveau 5. 1, 2, 3, 4... Putain. Niveau 5 avec une armée et demie de deux. Ça va être bourrin comme quoi. Je peux encore peut-être. Tiens, la garnison. Deux abominations, trois raogres. Un globadier de mort, un globadier de peste. Ok. Alors, héros non déplacé. Donc, tu vas essayer de la repérer. Pour si elle est par là. Ouais. Bon, de toute façon, c'est pas pour tout de suite. Toi, tu peux continuer à attaquer les unités. Toi, du coup... Bon, j'ai fini. Non, j'ai un revenu qui est pas mal, mais ça coûte cher tout ça. Tu vas aller... Ici, au prochain tour, j'attaque et je prends le contrôle de cette putain de région. Ok. J'ai un Evan qui me fait moins 10 en corruption, c'est pas cool. Mulder, il a une mission. Qu'est-ce que t'as comme mission ? Accepté. Hop, ça, je le prends. Bien, et j'ai plus de thunes, tout va bien. J'en suis au niveau de stabilité. Fin de tour. Ah, pardon. Ouais, non, si, c'est bon. J'ai déjà passé. C'est pas comme si je pouvais faire grand chose, de toute façon. C'est censé durer que 5 tours, c'est ça? Ouais, moi, il me reste 2 tours. Avec la Mulder. Bon, il doit vouloir que je rentre en guerre contre quelqu'un, non? Je sais pas. Non, même pas. Même pas, non. C'était juste le checkpoint. on va arrêter l'épisode ici. On vous fait des bisous à tous. Youbiou. On espère que ça vous aura plu et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.